Putain, comment j'ai loupé ça? Bon, faut que j'aille voir pour me retrouver parce que ce serait quand même con. Bouge-toi. Putain, j'aurais pu faire les deux là, j'ai merdouillé. Grave. Et voilà, premier ringneck. Non, c'est un bluebill en fait. Ringneck ou bluebill? Je crois que c'est un ringneck. Je suis même pas sûr. Je crois que c'est un ringneck. Je crois que j'en ai jamais tué des comme ça. Je pense pas que ce soit un bluebill. Ça a l'air d'être un ringneck celui-ci. Bon voilà, posé dans les formes. J'essaie de le tirer, il était assez loin, il s'en allait à la nage. Et j'ai tué au troisième coup au vol. Donc voilà.
regarde, écoute, pas bouger. Pas bouger. Comme dirait mon grand-père, il est maigre le chien. On est le 31 octobre. Il n'y a pas grand-chose. Donc on s'était mis sur un coin pour essayer de tirer des canards plongeurs. Normalement, on avait un bon coin pour les canards plongeurs. Et puis, bon, ben pour la chasse, on n'a pas eu beaucoup d'occasions. On a eu une volée de petits garrots qui est passé en début de chasse. Donc j'en ai fait un. J'aurais pu en faire deux. Je tire deux cartouches, j'ai fait une femelle, voilà, une femelle buffalède qui est allée tomber un peu plus loin là-bas derrière, j'ai bien fait de suivre. Donc voilà, ensuite on avait des blairies partout et j'en ai marre des blairies parce qu'il n'y a que ça en ce moment, il y en a des milliers. Donc il y en a deux qui sont passés en travers au vol, j'ai décidé de tirer histoire de m'entraîner. Et puis de réduire un peu les populations parce qu'on a vraiment beaucoup. Donc j'en ai fait une et après une autre. Et après j'ai une volée de canards qui est arrivée, qui venait bien sur moi là, pas très haute, au-dessus des roseaux. Je les ai pas tirés parce que j'ai eu peur qu'ils tombent dans les roseaux. Et je pensais qu'ils allaient continuer. Ils ont tourné juste là, ils ont été plus loin. Et après ils sont revenus, je sais pas ce que c'était, j'ai cru que c'était des sarcelles sur le coup. Je trouvais que c'était un peu gros. Faudrait peut-être que je change mes lunettes parce que j'ai pas vu les becs. Après ils sont repassés, donc au-dessus, bon par contre un peu plus haut cette fois-ci, 30 mètres, 35 mètres. Et puis donc j'en ai fait un mâle, j'aurais pu en faire deux là aussi sur ce coup-là. Donc ça s'améliore un petit peu, j'ai pas perdu de canard aujourd'hui, ça c'est une grosse satisfaction. Bon, et puisqu'on n'est pas loin de partir là, on va tester le matériel. J'ai acheté une housse, j'ai cédé au marketing, j'ai acheté une housse Tangle Free là, qui est censée être une housse flottante.
Donc on va regarder si ça flotte. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a à peu près un mètre d'eau là. Donc on va voir si ça flotte. Si ça flotte pas, bah, on ira à la pêche. Et on va voir. Eh ouais, c'est pas des conneries, hein. Ça flotte. Oh ben super, je suis content de mon achat. Il est où sa fusil qui flotte ?